voudriez pas, brave homme, vous n'êtes pas mort. Je crie en âme, parce qu'après, il est trop tard. Et alors je me le prends. Je lui file en dessous des coups de pied là où je me pince, qui m'en a coupé la respiration à moi. Je me le retourne, je te lui file un de ces pastissons, mon ami, que je lui change la figure de place. Dites-moi, mon ami, nous attendons. Ah, s'il vous plaît, vous voyez pas que je cause, non? D'accord, mais enfin tout de même. Mais si vous êtes pressé, vous allez chez mon camarade Mastegui, là, en descendant à la gauche. Tu étais en train de tuer le colosse. Oh, cher Charles, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je t'ai jamais dit que je voulais le tuer. Je t'ai textuellement fait comprendre que tout colosse qu'il était, je l'avais pulvérisé. Ça n'est pas la même chose. Et voilà, voilà comment vous fait une réputation d'exagérateur. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs dames, mon beau? Spécialité marseillaise. Mais naturellement. Des spécialités marseillaises. Je vous mets 3 ou 4 douzaines d'oursins. Vous croyez qu'on va pouvoir manger tout ça? Ah, c'est comme vous voulez. Moi, si j'étais à votre place, je prendrais un oursin pour 4 personnes. Et même, je vous donnerais un papier pour envelopper ce qui restera du gueuleton. Oh! Oh, bah, alors, c'est ça. Mais c'est pas les aiguilles qu'il faut manger. Vous mangez ça comme une glace à la vanille. Allez, mais joue pastis pour tout le monde, ma belle. Ça sent bon. Au fond, ce serait sympathique, Marseille, si vous n'aviez pas de gangsters. Parce que vous avez de véritables gangsters, n'est-ce pas? Des gangsters? Le mot est faible, monsieur. Nous avons de vrais tueurs professionnels qui font au moins 17 cadavres rien qu'à leur petit déjeuner et qui se rendent à domicile. Ouais, vous voyez. Parce que Marseille, pour vous, c'était derrière la mairie, les nervis et les cagoles. Oui, pour vous, Marseille, c'est Marius et Olive, qui pour s'amuser vont à la pêche, se racontent des blagues marseillaises, comme dit marseillaise, mais qui sont de partout, sauf d'ici. Vous entendez? Sauf d'ici. Et ma pauvre ville devient alors le paradis des fainéants. Votre cinéma représente les Marseillais marchant au soleil avec de grands gestes, des bagasses, des trônes de l'air. Ce qui n'a jamais été Marseillais d'ailleurs. Ah oui, vos cartes postales nous plaisantent avec la sardine qui a bouché le port. Et il paraît que Marius fait des enfants sur tous les couffins du vieux port. Et petit à petit, en morceaux détachés, empestés de métro, de boue et de vapeur d'essence, vous projetez noir sur blanc, sur tous les écrans, le plus bel arc-en-ciel du monde. Eh bien non, Marseille, c'est pas ça. Marseille, c'est un grand village qui chante sous le soleil et le mistral. C'est la seconde ville de France, eh oui, qui vibre du travail des hommes. C'est la sueur des Baptistins et des Pitalugues. La bonne sueur qui ruisselle en fine cascade de joie, car il pleut du soleil sur ma ville. Au-dessous du chemin de la Corniche s'ouvre l'anse du Vallon des Offes. C'est un port. Un port en miniature, un port sans quai, ni appointement, ni embarcadère, enfin, ni rien de ce qui constitue un port qui se respecte. Et c'est pourtant l'abri d'une innombrable flottille d'embarcations. On pêche de toutes les façons. On pêche à tout, à l'aide de tout, avec tout et contre tout. Avant que le jour se lève, ils partent au petit large. Et ce vieux marin, pour qui l'heure de la retraite a sonné, vient chaque jour contempler ceux qui peuvent partir et goûte encore un vrai bonheur des humbles. Et quelques heures plus tard, nos pêcheurs ramènent dans leur filet tout ce qu'il faut pour faire la bouillabaisse. Et de bon matin, nos pescadoux de Provence, au vocabulaire fleuri, vendent leurs marchandises au hall de la Croix. C'est tout ce que vous avez? Vous savez, Mambo, j'ai un poisson lune, que c'est une merveille. Regardez-moi ça, hein? Une merveille! Est-ce qu'ils sont frais? Oh, l'homme malheureux! Non, il n'aura pas dû dire ça. Mais qu'est-ce que vous êtes, dit? Mais d'où vous sortez? Mais vous ne voyez pas? Mais vous emmenez un mannequin de chez Paquin! Il a tout de chamberlain! Mais vous êtes vu à la glace ce matin avant de venir? Je comprends que c'est un joli cœur! Tu te rends compte, il m'a demandé si t'es frais, ce poisson! Et ta sœur, elle est fraîche, dit, pour de grandes padas!
Regarde-moi ça. Mais tu l'as vu, cette tournure? Ah, mais non, ils sont plus frais que vous. Ah, non, moi, le veste marque mal, là, c'est. Oh, minable, on ne peut pas parler. Je vais parler, moi, ce croque mort, là. Est-ce que mon passé n'est pas prêt? Dites, veste marque mal, dites, que vous allez dire? Hop, coupez le son. Ah oui, oui, oh, il vaut mieux couper le son, oui, parce que la censure ne laissera pas passer la moitié du quart de ce qu'il va entendre, le pauvre. Après l'odeur de la rascasse, voici celui de l'œillet. Nous sommes au cours Saint-Louis, où la vente des fleurs est si prospère. Le baiser est compris dans le prix du bouquet. Saint-Louis, il n'y a plus qu'à traverser la Calebière pour être au cours Belzunce. À droite du cours Belzunce, on crie très fort. C'est même celui qui criera le plus fort. Le plus fort que son voisin, pour vous dire que sa marchandise est meilleure que toutes celles qu'on a pu vous vendre jusque-là. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, il a raison, et il paraît qu'il la donne pour rien. Enfin, celui-là n'a pas besoin de registre du commerce ou de licence. Une caisse, une brosse, une boîte de cirage, en général la même pour tous les souliers, suffisent à créer une véritable industrie. Et astique que je t'astique. À gauche du cours Belzunce, par contre, on ne crie pas. On s'explique à demi-mot. Cigarette en gros et au détail. On pousse même le détail jusqu'à la goulée que l'on vend à un prix à la portée de tous. Hein? Eh oui. Et lorsque le tout Marseille qui travaille s'arrête et que sonne l'heure de la fermeture de nos grandes usines, pour le métallo comme pour ce jeune menuisier, commence l'éternel manège. Devant les grands magasins, chacun attend sa chacune. Eh, dites, alors. Et allez-vous, deux par deux, les couples s'en vont faire les frottadous, au hasard des rues. Et comme dit la chanson, ça durera le temps nécessaire pour que Jeanne et Pierre aient le temps d'être heureux. Ils s'en vont fabriquer de beaux souvenirs pour plus tard en passant devant la mairie, si vieille, qui seule, échappée au feu, au siècle et à la mitraille, signe encore les papiers de la vie, des mariages et de la mort. Ça, c'est l'état civil qui veut ça, hein. Dans le vent du printemps, le violon qui chante dans la main tremblante du musicien raconte une histoire que vous pouvez croire. Ça ne coûte rien. Robe blanche du dimanche qui tournait et volait dans la nuit, et la fête qui répète la chanson envolée dans le bruit. C'est une d'une bande à l'amour éternel. C'est la fête qui répète de saison en saison sa chanson. Clair de lune où chacune et chacun ont la main dans la main. Une étoile file dans la nuit tranquille qui ferme les yeux. Et je vous appelle près d'une chapelle pour y faire un vœu. La promenade aboutit au bord de mer, où percé par le clapotis des vagues, et avec comme seul témoin la lune qui tout là-haut sourit dans son demi-croissant, on vit ainsi les meilleures heures de sa jeunesse. Dites-moi, cette fameuse canne bière, nous l'avons traversée en venant en voiture. Elle n'a vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Oui, et vous en faites un plat de la canne bière. Mais des boulevards de la longueur et de la largeur de la canne bière. Il y en a des centaines dans toutes les villes de France et du monde. Que dame, Bernard, dans toutes les villes du monde. Allez, Antoine, Antoine, calme-toi. Écoutez, monsieur,
Vous parlez de longueur et de largeur. Oui, vous parlez de la canne bière comme un marchand de tissu. Alors c'est pas la peine de continuer, vous comprenez? Excusez-moi, j'ai eu un moment malheureux. On les excuse, hein. Et maintenant, venez avec moi. La canne bière, je vais vous la montrer, moi. Déjà en toutes les couleurs, des blancs, des noirs, des jaunes, l'accent, l'âme, l'odeur de la mer et la bonne humeur. À une extrémité, c'est les tramways qui attendent à la queue leu-leu le droit de partir vers l'espace, vers la banlieue où sont les cigales, les bains et les amoureux. À l'autre extrémité, elle s'en va vers la mer pour faire le tour du monde, pour raconter à l'univers la dernière de Marius et la beauté de mon Marseille. Voilà la canebière, monsieur. Et ça, c'est impossible à voir en voiture. Et dites-moi, vous avez toujours vos vieux quartiers où règne une atmosphère si spéciale? Mais tenez, regardez, l'enfer s'est acharné sur eux. On ne retrouve plus maintenant que le charme des jours perdus et la douceur des souvenirs. On voulait nous faire croire que c'était un foyer d'infection et de maladie. Ma grand-mère à moi, elle y est morte à 87 ans. Elle n'a jamais été malade, même pas la coqueluche. Et encore, il a fallu qu'elle tombe des escaliers pour mourir, t'es. Vieux quartier où l'on entend encore la marchande de limaçon. Un ruisseau noir dégringole en plein milieu de la ruelle. Et le soleil brûle tout là-haut sur un drap ou un torchon, au troisième ou au quatrième étage. D'odeurs lourdes et de noirs désirs où les marins de tous les ports venaient autrefois faire escale. Et tout près de là, pleine de marbre et de lumière dans la clarté d'un ciel magnifiquement bleu, jaillit le formidable élan de notre cathédrale. Devant elle, Monseigneur de Belzun, qui s'est débrouillé coréen lorsqu'un jour noir, un malafroi la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux Marseillais la guerre. Près de la cathédrale, une véritable cour des miracles, c'est la caserne de la charité. On pourrait dire la caserne de la détresse ou de braves gens qui n'ont comme fortune que la richesse du cœur, se battent chaque jour avec la vie. Et tous ces petits chevaliers de la misère s'en vont chaque matin à l'école communale du quartier. Cette vieille école communale qui fut par un beau jour de Noël le témoin d'un véritable conte de fées. C'était donc un jour de Noël. L'instituteur M. Arnaud attendait sur le pas de la porte tous les enfants des pauvres. Rambal, le fils de l'estamac, Testanier, qui n'a plus que sa mère, qui travaille à la raffinerie de sucre, Farellacci, Canavelli, Ray, Olivier, Bottero, qui a eu toute sa maison détruite. Ah, voilà Raymond, il manquait à la fête. Raymond, qui est le plus malheureux de tous parce que lui, peu cher, il y a longtemps qu'il a perdu son père et sa mère. Il vient avec sa grand-mère qui vend de la salade rue Longue des Capucins. Malgré les vacances de Noël, ils étaient tous là pour recevoir les modestes cadeaux qu'à force d'amitié, le vieil instituteur avait réunis sur l'arbre de Noël d'infortune. Et dans les yeux de tout ce petit monde assemblé, devant l'arbre miraculeux, brillait une lueur d'envie pour le gros lot. Une paire de souliers. Pour Raymond, le plus pauvre de tous, c'était le rêve de sa vie. Il pensait, si j'avais ces souliers. Oui, mais qui sait si c'est ma pointure? Oh, puis je suis bien bête de faire autant de difficile. À deux ou trois numéros près, j'arriverai bien à mettre mes pieds dedans. Bon, alors tout le monde est là. Eh bien, mes enfants, je vais distribuer un cadeau à chacun. Bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai pu réunir sur notre arbre cette année. La paire de souliers, je sais bien qu'elle vous fait envie à tous. Et peut-être qu'elle rendrait bien service à certains d'entre vous. Eh oui, seulement, pour ne pas faire d'injustice, nous allons la tirer au sort. Et chaque petit écrivit son nom sur un petit carré de papier. Et puis l'instant crucial arrive. Raymond.
Ils ont tous mis Raymond. Tous ces pauvres avaient forcé la chance à sourire pour la première fois aux plus malheureux d'entre eux. Voilà pourquoi on a pu voir le dimanche d'après, tout là-haut sur une colline, deux fois dorée dans le soleil, celle qui garde notre terre et protège la mer. Notre-Dame de la Garde accueillir dans son sanctuaire Raymond et sa grand-mère, qui dans son langage de pauvre lui disait « Merci, bonne mère, d'avoir donné pour son Noël un bon sourire à mon petit. » Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de mon pays, du haut de son balcon de pierre, on fait le tour d'horizon de sa vie. La maison qui nous a vu naître, notre première école, puis toute notre jeunesse. Et tout là-bas, gardien de la porte du large, d'où les bateaux se lancent aux quatre coins de l'espérance, le fort Saint-Jean. Et notre pont transbordeur qui est mort pendant cette guerre, ne fait plus son pas de géant pour aller retrouver son frère, le bon gros fort Saint-Nicolas. Pauvre vieux pont transbordeur. Le poète avait bien raison. À la tombée de la nuit, une de ces nuits provençales qui sentent la tubéreuse et l'ail, l'algue et l'anis, au-dessus des champs et des flammes, le pont tendait ses filets de fer pour pêcher les étoiles. À côté du fort Saint-Nicolas se dresse la vieille église de Saint-Victor. Les siècles ont noirci ses murs et les cloches de notre basilique racontent à ceux qui savent les écouter de très vieilles et de très belles histoires des splendeurs passées. Marseille est la porte du soleil. Marseille est la porte de l'Orient, abrite aussi de nombreuses colonies. Voici le quartier arabe. Et voilà l'une des nombreuses pizzas napolitaines où on y mange aussi le traditionnel spaghetti. Porte de l'Orient. Sous un soleil qui rappelle celui de leur pays, les Arméniens sont aussi très nombreux. Peuple paisible et travailleur, ils ont gardé leurs coutumes et chantent dans leur magnifique église du Prado de très beaux cantiques de chez eux.
Devant cette église, les Champs-Élysées de Marseille, à l'avenue du Prado, formée par deux tronçons qui aboutissent d'un côté à la place Castellane, où M. Cantini, marbrier, a mis une fontaine blanche. Oh, mais on doit mourir dans votre tramway. Mais pas plus que dans votre métro. Ici, au moins, on est en plein air. Et puis, on laisse personne sur le trottoir, nous autres. C'est jamais complet. Mais supposez un instant que quelqu'un se trouve mal dans cette foule. Eh ben, on arrête ce tramway. Et si ce n'est pas l'arrêt? Mais on arrête le tram car même, on n'est pas des sauvages, nous voyons. Tous ces trams, ils vont vers la corniche et vers la mer. À une extrémité, les Catalans, les Marseillais se baignent. Extrémité cale longue. Et tout au long de notre côte se niche nos cabanons. Quatre murs, un soupçon d'ombre dans une sorte d'incendie solaire, dans le creux d'une calanque d'or. C'est ouvert à tous les amis. On va passer le week-end. On y mange la bouillabaisse, on y boit le pastis. On galège, on somnole sous les pins. Et quand la brise annonce le triomphe du soir sur le jour, il y a longtemps qu'on a oublié les soucis et on goûte un bonheur tranquille. Là commence pour certains la grande aventure. Sur les kilomètres de quais immobiles et pourtant frémissants de vie, s'égrène le gigantesque alphabet des voyages. Les molles A, B, C, D succèdent aux molles. En regardant ces coques puissantes, ces peaux majestueuses, on rêve aux pays lointains qu'elles ont abordés et à toutes les mers qu'elles ont traversées. Direction Singapour, San Francisco. Direction Santiago de Chili ou Shanghai. Demain Veracruz. L'étoile du sud ou les îles sous le vent. Eh bien, vous voyez que Marseille, c'est une ville comme les autres. Une ville qui travaille, vit et souffre dans le soleil où des hommes comme les hommes naissent un jour puis disparaissent dans un crépuscule bleuté. Adieu Marseille. Adieu la porte du soleil. Eh bien, je crois qu'on a parlé un peu de Marseille, hein. Oh, merci, M. Normand, vous êtes un poète. Un poète? Non, je suis du Midi. C'est peut-être pour ça que je parle un peu avec mon cœur. Les vrais poètes sont ceux qui ont chanté ma terre, qui ont crié au monde leur fierté d'être de Provence. Ce sont nos peintres, nos sculpteurs, nos auteurs. Marcel Pagnol, notre grand Mistral. Voilà. C'est tout ça, mon Midi. Tout le reste, ce sont des racontars de marchands de spectacles. Et vous resterez toujours dans le Midi? Oui, je resterai toujours dans le bleu et la lumière. Et quand, à mon heure dernière, je partirai pour un Midi plus beau encore que ma Provence, je garderai sur mes lèvres, éternel comme notre ciel, un rire plein d'honnêteté, un rire plein d'insouciance, un rire qui soit de Provence, un rire qui soit marseillais. Thank you.
Bernard, meurtrier. Hé, criez pas, brave homme, vous n'êtes pas mort. Je crie avant, parce qu'après, il est trop tard. Et alors je me le prends. Je lui file en dessous des coups de pied là où je me pense, qui m'en a coupé la respiration à moi. Je me le retourne, je te lui file un de ces pastissons, mon ami, que je lui change la figure de place. Dites-moi, mon ami, nous attendons. Ah, s'il vous plaît, vous voyez pas que je cause, non? D'accord, mais enfin tout de même. Mais si vous êtes pressé, vous allez chez mon camarade Mastegui, là, en descendant à gauche. Mais lui, tu étais en train de tuer le colosse. Ah, cher Charles, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je t'ai jamais dit que je voulais le tuer. Je t'ai textuellement fait comprendre que tout colosse qu'il était, je l'avais pulvérisé. Ça n'est pas la même chose. Et voilà, voilà comment on vous fait une réputation d'exagérateur. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs dames, mon beau? Des spécialités marseillaises. Mais naturellement. Des spécialités marseillaises. Je vous mets 3 ou 4 douzaines d'oursins. Vous croyez qu'on va pouvoir manger tout ça? Ah, c'est comme vous voulez. Moi, si j'étais à votre place, je prendrais un oursin pour 4 personnes. Et même, je vous donnerais un papier pour envelopper ce qui restera du gueuleton. Oh! Oh, malheureux, c'est ça. Mais c'est pas les aiguilles qu'il faut manger. Vous mangez ça comme une glace à la vanille. Allez, mais joue pastis pour tout le monde, ma belle. Ça sent bon. Au fond, ce serait sympathique, Marseille, si vous n'aviez pas de gangsters. Parce que vous avez de véritables gangsters, n'est-ce pas? Des gangsters? Le mot est faible, monsieur. Nous avons de vrais tueurs professionnels qui font au moins 17 cadavres rien qu'à leur petit déjeuner et qui se rendent à domicile. vous riez. Parce que Marseille, pour vous, c'était derrière la mairie, les nervis et les cagoles. Oui, pour vous, Marseille, c'est Marius et Olive, qui pour s'amuser vont à la pêche, se racontent des blagues marseillaises, comme dit marseillaise, mais qui sont de partout, sauf d'ici. Vous entendez? Sauf d'ici. Et ma pauvre ville devient alors le paradis des fainéants. Votre cinéma représente les Marseillais marchant au soleil avec de grands gestes, des bagasses, des trônes de l'air. Ce qui n'a jamais été Marseillais d'ailleurs. Ah oui, vos cartes postales nous plaisantent avec la sardine qui a bouché le port. Et il paraît que Marius fait des enfants sur tous les couffins du vieux port. Et petit à petit, en morceaux détachés, empestés de métro, de boue et de vapeur d'essence, vous projetez noir sur blanc, sur tous les écrans, le plus bel arc-en-ciel du monde. Eh bien non, Marseille, c'est pas ça. Marseille, c'est un grand village qui chante sous le soleil et le mistral. C'est la seconde ville de France, eh oui, qui vibre du travail des hommes. C'est la sueur des Baptistins et des Pitalugues. La bonne sueur qui ruisselle en fine cascade de joie, car il pleut du soleil sur ma ville. Au-dessous du chemin de la Corniche s'ouvre l'anse du vallon des Offes. C'est un port. Un port en miniature, un port sans quai, ni appointement, ni embarcadère, enfin, ni rien de ce qui constitue un port qui se respecte. Et c'est pourtant l'abri d'une innombrable flottille d'embarcations. On pêche de toutes les façons. On pêche à tout, à l'aide de tout, avec tout et contre tout. Avant que le jour se lève, ils partent au petit large. Et ce vieux marin, pour qui l'heure de la retraite a sonné, vient chaque jour contempler ceux qui peuvent partir et goûte encore un vrai bonheur des humbles. Et quelques heures plus tard, nos pêcheurs ramènent dans leur filet tout ce qu'il faut pour faire la bouillabaisse. Et de bon matin, nos pescadous de Provence, au vocabulaire fleuri, vendent leurs marchandises aux halles de la Croix. Alors, Mambo, qu'est-ce que vous voulez? C'est tout ce que vous avez. Vous savez, Mambo, j'ai un poisson lune, que c'est une merveille. Regardez-moi ça, hein. Une merveille. Est-ce qu'ils sont frais? Oh, l'homme malheureux. Non, il n'aurait pas dû dire ça. Mais qu'est-ce que vous êtes, dites? Mais d'où vous sortez? Mais vous ne voyez pas? Mais vous semblez un mannequin de chez Paquin. Il a tout de chamberlain. Mais vous êtes vu à la glace ce matin avant de venir. Je comprends que c'est un joli cœur. Tu t'es rendu compte, il me demande si t'es frais, ce poisson.
Charles. Et ta sœur, elle est fraîche, dit pour de grandes padins. Regarde-moi ça. Et tu l'as vu, cette tournure? Ah, mais non, ils sont plus frais que vous. Ah, non, moi, le veste marque mal, là, c'est. Oh, minable, on ne peut pas dire. Que je vais parler, moi, ce grand comment, là. Est-ce que mon passé n'est pas frais? Dites, faites le marque mal, dites, qu'est-ce que vous allez dire? Hop, coupez le son. Ah oui, oui, oh, il vaut mieux couper le son, oui, parce que la censure ne laissera pas passer la moitié du quart de ce qu'il va entendre, le pauvre. Après l'odeur de la rascasse, voici celui de l'œillet. Nous sommes au cours Saint-Louis, où la vente des fleurs est si prospère. Le baiser est compris dans le prix du bouquet. Cours Saint-Louis, il n'y a plus qu'à traverser la Calebière pour être au cours Belzunce. À droite du cours Belzunce, on crie très fort. C'est même celui qui criera le plus fort. Le plus fort que son voisin, pour vous dire que sa marchandise est meilleure que toutes celles qu'on a pu vous vendre jusque-là. Eh oui, qu'est-ce que il a raison, et il paraît qu'il la donne pour rien. Enfin, celui-là n'a pas besoin de registre du commerce ou de licence. Une caisse, une brosse, une boîte de cirage, en général la même pour tous les souliers, suffisent à créer une véritable industrie. Et astique que je t'astique. À gauche du cours Belzunce, par contre, on ne crie pas. On s'explique à demi-mot. Cigarette en gros et au détail. On pousse même le détail jusqu'à la goulée que l'on vend à un prix à la portée de tous. Hein? Eh oui. Et lorsque le tout Marseille qui travaille s'arrête et que sonne l'heure de la fermeture de nos grandes usines, pour le métallo comme pour ce jeune menuisier, commence l'éternel manège. Devant les grands magasins, chacun attend sa chacune. Eh, dites, alors. Et allez-y, deux par deux, les couples s'en vont faire les frontadoux, au hasard des rues. Et comme dit la chanson, ça durera le temps nécessaire pour que Jeanne et Pierre aient le temps d'être heureux. Ils s'en vont fabriquer de beaux souvenirs pour plus tard en passant devant la mairie, si vieille, qui seule, échappée au feu, au siècle et à la mitraille, signe encore les papiers de la vie, des mariages et de la mort. Ça, c'est l'état civil qui veut ça, hein. Dans le vent du printemps, le violon qui chante dans la main tremblante du vieux musicien raconte une histoire que vous pouvez croire. Ça ne coûte rien. Robe blanche du dimanche qui tournait et volait dans la nuit. Et la fête qui répète la chanson envolée dans le bruit. C'est une sérénade aux étoiles. Moi, j'en fais une bande à l'amour éternel. C'est la fête qui répète de saison en saison sa chanson. Clair de lune où chacune et chacun vont la main dans la main. Une étoile file dans la nuit tranquille qui ferme les yeux. Et je vous appelle près d'une chapelle pour y faire un vœu. La promenade aboutit au bord de mer, où percé par le clapotis des vagues, et avec comme seul témoin la lune qui tout là-haut sourit dans son demi-croissant, on vit ainsi les meilleures heures de sa jeunesse. Dites-moi, cette fameuse Canebière, nous l'avons traversée en venant en voiture. Elle n'a vraiment pas quelque chose d'extraordinaire. Oui, et vous en faites un plat de la Canebière, mais des boulevards de la longueur et de la largeur de la Canebière.
Il y en a des centaines dans toutes les villes de France et du monde. Que dalle, Bernard, dans toutes les villes du monde. Allez, Antoine, calme-toi, calme-toi. Écoutez, monsieur, vous parlez de longueur et de largeur. Oui, vous parlez de la canne bière comme un marchand de tissu. Alors c'est pas la peine de continuer, vous comprenez? Excusez-moi, j'ai eu un mot malheureux. On les excuse, hein. Et maintenant, venez avec moi. La canne bière, je vais vous la montrer, moi. Des gens de toutes les couleurs, des blancs, des noirs, des jaunes, l'accent, l'âme, l'odeur de la mer et la bonne humeur. À une extrémité, c'est les tramways qui attendent à la queue leu-leu le droit de partir de l'espace vers la banlieue où sont les cigales, les pins et les amoureux. À l'autre extrémité, elle s'en va vers la mer pour faire le tour du monde, pour raconter à l'univers la dernière de Marius et la beauté de mon Marseille. Voilà la canebière, monsieur. Et ça, c'est impossible à voir en voiture. Et dites-moi, vous avez toujours vos vieux quartiers où règne une atmosphère si spéciale? Mais tenez, regardez, l'enfer s'est acharné sur eux. On ne retrouve plus maintenant que le charme des jours perdus et la douceur des souvenirs. On voulait nous faire croire que c'était un foyer d'infection et de maladie. Ma grand-mère, à moi, elle y est morte à 87 ans. Elle n'a jamais été malade, même pas la coqueluche. Et encore, il a fallu qu'elle tombe des escaliers pour mourir. Vieux quartier où l'on entend encore la marchande de limaçon. Un ruisseau noir dégringole en plein milieu de la ruelle. Et le soleil brûle tout là-haut sur un drap ou un torchon, au troisième ou au quatrième étage. De noirs désirs où les marins de tous les ports venaient autrefois faire escale. Et tout près de là, pleine de marbre et de lumière, dans la clarté d'un ciel magnifiquement bleu, jaillit le formidable élan de notre cathédrale. Devant elle, Monseigneur de Belzunce, qui se débrouille coréen lorsqu'un jour noir, un malafroi la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux Marseillais la guerre. Près de la cathédrale, une véritable cour des miracles, c'est la caserne de la charité. On pourrait dire la caserne de la détresse où de braves gens qui n'ont comme fortune que la richesse du cœur se battent chaque jour avec la vie. Et tous ces petits chevaliers de la misère s'en vont chaque matin à l'école communale du quartier. Cette vieille école communale qui fut par un beau jour de Noël le témoin d'un véritable conte de fées. C'était donc un jour de Noël. L'instituteur M. Arnaud attendait sur le pas de la porte tous les enfants des pauvres. Rambal, le fils de l'estamac, Testanière, qui n'a plus que sa mère, qui travaille à la raffinerie de sucre, Farellacci, Canavelli, Ray, Olivier, Bottero, qui a eu toute sa maison détruite. Ah, voilà Raymond, il manquait à la fête. Raymond, qui est le plus malheureux de tous parce que lui, peu cher, il y a longtemps qu'il a perdu son père et sa mère. Il vient que sa grand-mère qui vend de la salade à la rue Longue des Capucins. Malgré les vacances de Noël, ils étaient tous là pour recevoir les modestes cadeaux qu'à force d'amitié, le vieil instituteur avait réunis sur l'arbre de Noël d'infortune. Et dans les yeux de tout ce petit monde assemblé, devant l'arbre miraculeux, brillait une lueur d'envie pour le gros lot. Une paire de souliers. Pour Raymond, le plus pauvre de tous, c'était le rêve de sa vie. Il pensait, si j'avais ces souliers. Oui, mais qui sait si c'est ma pointure? Oh, puis je suis bien bête de faire tant de difficile. À deux ou trois numéros près, j'arriverai bien à mettre mes pieds dedans. Bon, alors tout le monde est là. Eh bien, mes enfants, je vais distribuer un cadeau à chacun. Bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai pu réunir sur notre arbre cette année. La paire de souliers, je sais bien qu'elle vous fait envie à tous, et peut-être qu'elle rendrait bien service à certains d'entre vous. Eh oui, seulement, pour ne pas faire d'injustice, nous allons la tirer au sort. Et chaque petit écrivit son nom sur un petit carré de papier. Et puis l'instant crucial arrive. Raymond,
petits. Ils ont tous mis Raymond. Tous ces pauvres avaient forcé la chance à sourire pour la première fois aux plus malheureux d'entre eux. Voilà pourquoi on a pu voir le dimanche d'après, tout là-haut sur une colline, deux fois dorée dans le soleil, celle qui garde notre terre et protège la mer. Notre-Dame de la Garde accueillir dans son sanctuaire Raymond et sa grand-mère, qui dans son langage de pauvre lui disait « Merci, bonne mère, d'avoir donné pour son Noël un bon sourire à mon petit. » Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de mon pays, du haut de son balcon de pierre, on fait le tour d'horizon de sa vie. La maison qui nous a vu naître, notre première école, puis toute notre jeunesse. Et tout là-bas, gardien de la porte du large, d'où les bateaux se lancent aux quatre coins de l'espérance, le fort Saint-Jean. Et notre pont transbordeur qui est mort pendant cette guerre, ne fait plus son pas de géant pour la retrouver son frère, le bon gros fort Saint-Nicolas. Pauvre vieux pont transbordeur. Le poète avait bien raison. À la tombée de la nuit, une de ces nuits provençales qui sentent la tubéreuse et l'ail, l'algue et l'anis, au-dessus des champs et des flammes, le pont tendait ses filets de fer pour pêcher les étoiles. À côté du fort Saint-Nicolas se dresse la vieille église de Saint-Victor. Les siècles ont noirci ses murs et les cloches de notre basilique racontent à ceux qui savent les écouter de très vieilles et de très belles histoires des splendeurs passées. Marseille est la porte du soleil. Marseille est la porte de l'Orient, abrite aussi de nombreuses colonies. Voici le quartier arabe. Et voilà l'une des nombreuses pizzas napolitaines où on y mange aussi le traditionnel spaghetti. Un soleil qui rappelle celui de leur pays, les Arméniens sont aussi très nombreux. Peuple paisible et travailleur, ils ont gardé leurs coutumes et chantent dans leur magnifique église du Prado de très beaux cantiques de chez eux.
devant cette église, les Champs-Élysées de Marseille, et l'avenue du Prado, formée par deux tronçons qui aboutissent d'un côté à la place Castellane, où M. Cantini, marbrier, a mis une fontaine blanche. Oh, mais on doit mourir dans votre tramway. Mais pas plus que dans votre métro. Ici, au moins, on est en plein air. Et puis, on laisse personne sur le trottoir, nous autres. C'est jamais complet. Mais supposez un instant que quelqu'un se trouve mal dans cette foule. Eh ben, on arrête ce tramway. Et si ce n'est pas l'arrêt? Mais on arrête le tram quand même, on n'est pas des sauvages, nous voyons. Tous ces trams, ils vont vers la corniche et vers la mer. À une extrémité, les Catalans, les Marseillais se baignent. Extrémité cale longue. Et tout au long de notre côte se nichent nos cabanons. Quatre murs, un soupçon d'ombre dans une sorte d'incendie solaire, dans le creux d'une calanque d'or. C'est ouvert à tous les amis. On va passer le week-end. On y mange la bouillabaisse, on y boit le pastis. On galège, on somnole sous les pins. Et quand la brise annonce le triomphe du soir sur le jour, il y a longtemps qu'on a oublié les soucis et on goûte un bonheur tranquille. Là commence pour certains la grande aventure. Sur des kilomètres de quais immobiles et pourtant frémissants de vie, s'égrène le gigantesque alphabet des voyages. Les molles A, B, C, D succèdent aux molles. En regardant ces coques puissantes, ces peaux majestueuses, on rêve aux pays lointains qu'elles sont abordées et à toutes les mers qu'elles ont traversées. Direction Singapour, San Francisco. Direction Santiago de Chili ou Shanghai. Demain Veracruz. L'étoile du sud ou les îles sous le vent. Eh bien, vous voyez que Marseille, c'est une ville comme les autres. Une ville qui travaille, vit et souffre dans le soleil où des hommes comme les hommes naissent un jour puis disparaissent dans un crépuscule bleuté. Adieu Marseille. Adieu la porte du soleil. Eh bien, je crois qu'elle a parlé un peu de Marseille, hein. Oh, merci, M. Arnaud. Vous êtes un poète. Un poète? Non, je suis du Midi. C'est peut-être pour ça que je parle un peu avec mon cœur. Les vrais poètes sont ceux qui ont chanté ma terre, qui ont crié au monde leur fierté d'être de Provence. Ce sont nos peintres, nos sculpteurs, nos auteurs. Marcel Pagnol, notre grand Mistral. Voilà. C'est tout ça, mon mythe. Tout le reste, ce sont des racontars de marchands de spectacles. Vous resterez toujours dans le Midi? Oui, je resterai toujours dans le bleu et la lumière. Et quand, à mon heure dernière, je partirai pour un Midi plus beau encore que ma Provence, je garderai sur mes lèvres, éternel comme notre ciel, un rire plein d'honnêteté, un rire plein d'insouciance, un rire qui soit de Provence, un rire qui soit marseillais.